Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Manac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir trois impressionnantes applications Android pour l'année 2018 que je vous recommande d'avoir sur vos appareils. Les détails juste après la pause. La première application dite Recover Image. Voilà, elle est disponible gratuitement sur Play Store, donc on va y accéder. Vous allez toucher ici Scan pour scanner vos photos. Elle sert à récupérer ou restaurer les photos supprimées de votre appareil. Voilà, j'ai ici 901 images détectées. Vous pouvez donc afficher plus de pictures, d'où plus d'images en touchant ici. Voilà, les images détectées vont être affichées ici. Vous allez donc sélectionner les images supprimées pour les récupérer. On va prendre par exemple celle-là. Voilà, ici Selected All ou Selected Tout. Donc on a ici Delete, supprimer. Donc vous pouvez supprimer l'image ou la restaurer ou la récupérer. En touchant ici, l'image va être récupérée. Puis il vous demande de terminer l'action. Est-ce que c'est avec la galerie, Dropbox, navigateur ou autre? On va choisir Google, afficher les images restaurées. Voilà les images restaurées. Donc, comme vous remarquez, il y avait plusieurs images pour mon cas. Ici, donc, on peut trier l'image soit par date, soit par album. Les images restaurées vont être stockées ou enregistrées dans la galerie comme on a indiqué la première fois. La deuxième application, c'est Cache Cleaner CPR. Donc la voilà. Donc cette application permet de supprimer les données en cache et par conséquent augmente l'espace de stockage de votre téléphone, ce qui va lui permettre de fonctionner dans les bonnes conditions. Voilà, données en cache pour ma part, 75,99 mégaoctets vont être supprimées. Pour les supprimer, vous avez ici le signe de la corbeille, touchez-le. Et voilà. Donc, supprimer. Donc, c'est une application très importante, très utile à avoir sur l'appareil afin de supprimer les données en cache qui ne sert qu'à diminuer l'espace de stockage des téléphones. La troisième application, c'est Charge Master. On va toucher. Donc, vous allez l'activer ici. Cette application sert premièrement à désactiver les applications qui consomment plus de batterie sur votre appareil. Elle va vous permettre donc de charger votre téléphone rapidement. Ou ici, vous avez sélectionné le mode chargement. Vous avez la charge intelligente uniquement. Ici, on a les notifications. Notification de la batterie chargée. Vous pouvez activer. Une fois que la batterie chargée, vous allez recevoir une notification. Vous pouvez aussi télécharger des fonds d'écran ici. Vous allez trouver plusieurs fonds d'écran que vous pouvez télécharger et les utiliser. Et aussi les thèmes, les arrière-plans et des thèmes à vous de choisir. Ces trois applications sont disponibles gratuitement sur Play Store. Les liens pour les télécharger, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.